J'ai cru voir que beaucoup de monde a du mal contre Dark Fall's Loser. C'est vrai sur la version japonaise et sur la version américaine. Je pense qu'il est temps d'en parler pour le bien de tous. Cette vidéo s'applique à toutes les versions de PSO2. Notre équipement est considéré comme très bon et nos personnages sont au moins niveau 90. Nous jouons le trigger Profound Invasion en extra hard. Le fonctionnement du combat est le même qu'en super hard. Cette vidéo ne couvre pas la survie du joueur. C'est à vous d'apprendre à placer les esquives, les just guards et de profiter des iframes de votre classe. Dans le but de vous montrer le bon déroulement de ce combat, nous avons décidé de jouer qu'à 3 joueurs au lieu de 12. Avant toute chose, il est important de savoir comment nous allons procéder pour la première phase afin qu'elle se déroule au mieux. Lorsque le combat commence, il faut lui casser son bras droit, puis son épaule droite, lorsqu'elle devient rouge. Une fois l'épaule cassée, Loser va exposer sa gorge, mais il ne faut pas l'attaquer. Attendez simplement qu'il se relève. Une fois relevé, il sera possible d'attaquer son bras gauche. Cassez-le, puis répétez l'opération sur son épaule lorsqu'elle brille rouge. Loser exposera sa gorge à nouveau. Vous pouvez maintenant appliquer le DPS sans plus attendre. Il est important de ne surtout pas utiliser de technique vent avant que ses deux épaules soient cassées. Nous utiliserons des techniques vent pour ouvrir son horloge lorsqu'il sera relevé plus tard. Si tout va bien, le combat vient de se simplifier et vous pourrez utiliser des techniques vent pour ouvrir son horloge. Concernant les phases de time stop, il est nécessaire de les esquiver au bon moment ou bien de détruire les épées lorsque le time stop a lieu. Nous sommes maintenant en phase 3 du combat car nous avons sauté la phase 2. Il va utiliser le time stop que nous nommons tous. En tant que Hunter à la Sword, il est possible de survivre la pluie d'épée en préparant un Rising Edge qu'il faut relâcher au bon moment. La raison pour laquelle nous avons sauté la phase 2 est tout simplement liée au fait que nous avons attaqué sa gorge au bon moment plutôt que d'appliquer trop de DPS dès le début du combat. Nous sommes maintenant en phase 4 à cause de notre DPS plus élevé que prévu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ici, nous répétons notre technique pour éviter de mourir pendant le... Puis nous lui ouvrons l'horloge à l'aide d'une technique de vent. Durant cette phase, il est possible de la garder ouverte si nous lui infligeons suffisamment de dégâts pour la casser. Maintenant, vous savez comment on joue cette Emergency Quest à haut niveau ou en super hard. Encore une fois, ne faites pas attention aux dégâts que nous lui avons mis. Concentrez-vous plutôt sur vos manœuvres d'évasion. Sachez aussi que Dark Fall's Loser est le Dark Fall le plus apprécié sur le jeu et son Emergency Quest est sans aucun doute une des favorites, au moins auprès de notre team. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, le lien est dans la description. Je tiens à remercier Zéa et Regina pour avoir participé au trigger avec moi. Pour finir, je voudrais prendre une minute pour vous présenter ma team, Arx System, dont je suis le Team Master. Nous sommes sur le jeu depuis le lancement du jeu en 2012 et nous sommes la communauté francophone la plus active sur le jeu. Notre team est ouverte à tout type de joueurs, les seuls prérequis sont d'avoir un personnage sur le chip 2 japonais, de parler français, de ne pas faire partie d'une team, et d'être capable d'apprendre les mécanismes du jeu. Que vous soyez débutant au jeu, ou un vétéran désabusé, vous êtes bienvenu chez nous. Pour rejoindre la team, vous pouvez postuler depuis un visiophone en suivant les étapes de recherche dans la vidéo. Ouvrez le menu du visiophone, sélectionnez les listings des teams qui recrutent, sélectionnez l'ordre alphabétique, puis cherchez-nous dans la liste.
Il se peut que nous ne nous trouvions pas dans la page affichée à l'écran. N'hésitez pas à faire défiler les pages en suivant l'ordre alphabétique pour nous trouver. Un manager s'occupera de vous recruter dans la journée. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord en attendant une invitation. Si vous avez créé votre compte après août 2019, vous aurez besoin de changer votre player ID name pour un pseudonyme de votre choix. Ce pseudonyme doit être unique sur le jeu, mais peut être le même pseudonyme que celui de votre personnage, si ce n'est pas déjà pris. Le player ID name peut être changé une seule fois gratuitement sur le jeu. Il permet aux joueurs de la team de mieux vous identifier in-game et sur Discord. Merci pour votre attention, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour nous parler si vous avez des questions ou juste envie de discuter. Je vous souhaite un bon jeu. À bientôt.